Oye, libere son nombre, yo. Libere. Rato Magin, me da libere. Rato Magin, me da libere son nombre, yo. Oye, libere son nombre, yo. La mire mi e para el coro. E para el coro. E para el coro. Ngaye para el coro. E para el coro. E para el coro. On préfère mourir en héros que de mourir traître. Salam, bonsoir à tous. Bonsoir, merci à tous. Merci pour tous les soutiens, toutes les personnes qui ont fait des publications, j'ai tout vu. Merci, merci, mille merci à tous. Toutes les personnes qui ont eu le temps de me soutenir, de nous soutenir, merci à tous. On n'est pas un parti politique. Nous sommes une famille. UFDG n'est pas un parti politique. Nous sommes une famille. Une et indivisible. Nous sommes une famille. Une et indivisible. On préfère mourir en héros que de mourir en traître. Parce que on ne le fait pas pour nous, on ne le fait pas pour UFDG, on ne le fait pas pour notre famille. On le fait pour le peuple de Guinée. Et Dieu sera toujours là pour nous. Dieu, Allah Jawajal, son jugement n'est plus loin. Le jugement de Dieu n'est plus loin. Il faut juste serrer les coudes, se donner les mains, ensemble. Faire l'ouverture à tout le peuple de Guinée pour qu'on puisse changer notre pays, pour qu'on puisse avoir ce qu'on veut, le pouvoir pour faire changer notre pays, pour faire évoluer ce pays. Ne désespérez pas, ne découragez pas. On continue le combat, on continue le combat. On sera toujours là, présent, par la grâce d'Allah, par la grâce divine. Merci pour vos soutiens. Merci. On va continuer le combat, sereinement, tranquillement, sans la violence. On va négocier le pouvoir et on va avoir le pouvoir pour faire avancer ce pays, pour faire développer ce pays, pour que vous qui êtes à l'extérieur pendant des années, vos amis des autres pays, que vous puissiez les inviter à venir un jour visiter votre pays. Parce qu'aujourd'hui, vous avez honte de dire à vos amis, venez chez moi, venez visiter chez moi, viens regarder comment est chez moi. Inch'Allah, si Allah sait qu'on veut avoir le pouvoir en Guinée pour changer, faire avancer ce pays, Wallahi billahi, il faut juste qu'on patiente. Il faut juste qu'on patiente. Ne s'aimez pas dans les démagogies. Ne s'aimez pas dans les stratégies. Parce qu'en politique, qu'est-ce que j'ai appris en politique?
J'ai appris en politique que tous les moyens sont bons pour affaiblir l'adversaire. Tous les moyens sont bons pour affaiblir son adversaire. Ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils ont fait, mais Dieu est là. Le puissant, le sage, le patient, l'omniscient, le plus grand des grands est là. Restons derrière lui. Restons derrière lui. Sans la violence, unis, ne désespérez pas. Ne désespérez pas. Donnez le courage à ceux qui sont en prison. Donnez le courage à Madi Kondé. Donnez le courage à Ismaël Kondé. Donnez le courage à Souleymane Kondé. Donnez le courage aux tant d'autres qui sont là-bas. Oui. Le courage, c'est quoi? C'est d'être unis ensemble. Parce que j'ai vu plein de vidéos. Beaucoup de gens sont en train de désespérer. Beaucoup de gens sont en train de dire, et notre président, et là c'est loup, il ne faut pas laisser, il faut faire ceci, il faut faire cela. Notre président, il a tout fait. On a tout vu. Il a tout fait. Tous ses moyens, il a fait. Oui, on va rester derrière lui. Sereinement, tranquillement, mieux reculer pour mieux, pour bien sauter. Ne désespérez pas. Ne tombez pas dans les pièges. Parce que l'objectif final, c'est d'anéantir l'UFDG. L'objectif final, c'est de mettre l'UFDG à terre. L'UFDG fini. Qu'on ne s'entende plus entre nous. Qu'on soit mélangé entre nous. Maintenant, je parle à tous les représentants de ce grand parti qui est une grande famille. Faites l'ouverture à toute la Guinée. Faites l'ouverture dans tous les coins de la Guinée. Faites l'ouverture. L'ouverture là, c'est comment? D'aller vers les autres. S'aimer. Être ensemble avec les autres. Même les communicants. Tous les communicants qui vont regarder cette vidéo. Même les communicants. Parce qu'on voit beaucoup de communicants de notre parti qui communiquent en poulard. Oui, c'est bien. J'aimerais bien que beaucoup de communicants puissent aussi prendre l'habitude de communiquer en français pour faire passer ce grand message que ce grand parti a à faire passer à tous les Guinéens qui sont sur terre, partout où ils sont. Tous nos communicants, les grands communicants, communiquer en français. Faites passer nos messages en français ou dans les autres langues que vous comprenez. Maninka, Soussou, Gaka et ainsi de suite. Cette grande famille, il ne faut pas qu'on laisse cette grande famille, qu'on nous divise, qu'on se mélange, qu'on abandonne. Je vous en supplie. Je vous en supplie. C'est cet honneur qu'on peut donner à nos morts, nos enfants qui sont partis. C'est cet honneur qu'on peut donner à nos vieux qui sont en prison, des pères de famille avec lesquels j'étais. J'étais avec Madik. J'étais avec Madik. J'étais avec le vieux l'imam de Wanindara. Se bat. Comment on peut réussir? Comment on peut dire un jour, Alhamdoulilah, c'est de laisser la violence, de laisser toutes sortes de trucs qui pourraient nuire à notre parti, qui pourraient nuire à l'image de notre parti. Ensemble, on va
se voir en privé faire l'ouverture à tous les Guinéens, main dans la main, dans la fraternité. On se dit d'abord que nous sommes des musulmans. On se dit d'abord que nous sommes tous frères et sœurs. Très important. Très important. Madik me charge de vous dire qu'il va bien là où il est. Il va très bien. Inch'Allah, continuons à prier pour lui. Continuons à prier pour tous les autres qui sont là-bas. Continuons à prier pour tous les autres qui sont là-bas. J'ai vu de vieux, des pères de famille, des gamins qui sont en prison. Qui sont en prison. Quand je suis venu, j'ai regardé la vidéo de mon pote qui a fait une vidéo pour moi. J'ai les larmes pour pleurer. Je vous parle ici comme si, par exemple, j'étais devant mon créateur, Allah Jawajal. Parce que quand on est en face de son créateur, on parle avec toute, c'est-à-dire avec tout son sérieux. Je vous parle, frères et sœurs. Nous, on a beaucoup perdu avec cette politique. On a beaucoup perdu. On a perdu certains membres de nos familles parce qu'ils nous ont parlé, on ne les a pas écoutés. On a perdu même nos proches. Même nos femmes, on a perdu à cause de cette politique. Oui. Pourquoi, avec tous ces sacrifices qu'on a faits, pourquoi abandonner? Pourquoi abandonner voudra dire que c'est la défaite. Et moi, Gabriel, je ne suis pas quelqu'un qui cautionne la défaite. Abandonner veut dire que tous les sacrifices que j'ai faits, que tous les sacrifices que les Madiks ont faits, que tous les sacrifices que les jeunes de l'Axe ont faits, c'est en vain. Donc pour ça, on n'abandonnera jamais. On va faire nos combats loyalement, légalement, pacifiquement, pour la Guinée, pas pour notre famille, pas pour notre propre intérêt, pas pour l'intérêt d'un parti, mais pour l'intérêt du peuple de Guinée. Inch'Allah, avec cette objectivité, le Tout-Puissant Allah est là, il voit qu'on le prie matin, midi, soir. Il ne nous abandonnera jamais. Tôt ou tard, le jour va se lever. La roue va tourner. Parce que la roue tourne. La roue va tourner. Prenons exemple à beaucoup de personnes qui ont attendu 40 ans, qui ont attendu 40 ans pour être là où ils sont aujourd'hui. Nous, ça fait 16 ans. Ça fait combien? Ça va faire combien d'années? Gardons patience parce qu'on sera là. Le jour n'est pas encore arrivé. Quand le jour va arriver, c'est Dieu en personne qui viendra nous réveiller pour dire, voilà le jour tant attendu que vous avez toujours rêvé d'avoir. Pour ce jour, comment pourrons-nous l'avoir ce jour? C'est être soudés, main dans la main. Se dire que notre grand parti UFDG n'est pas pour les peuls, n'est pas pour les malinqués, n'est pas pour les sous-sous, n'est pas pour les forestiers. Pour dire que notre parti UFDG, qu'on essaye de diviser aujourd'hui, qu'on essaye de mélanger aujourd'hui, que c'est un parti pour la Guinée et que c'est une famille, une grande famille, une et indivisible. Ouvrons-nous le cœur, les cœurs pour les uns et les autres. Nous avons fait beaucoup de sacrifices. Vous pouvez imaginer tout ce qu'on a fait. Oui, sans inciter à la haine,
sans inciter à la violence, sans insulter qui que ce soit. Nous allons faire politiquement la politique avec la tête, nos têtes. On va faire la politique avec nos têtes pour arriver à nos fins sans avoir affaire avec qui que ce soit. Oui, avec qui que ce soit. Madik me dit qu'il va bien, de vous dire qu'il va bien. Tous les autres vont bien. Par la grâce d'Allah, ensemble, unis, sans désespoir, unis, sans écouter Paul ni Pierre, sans penser que oui, celui-là est venu pour ça, celui-là est venu pour ça. Ensemble, pour notre grand parti qui est une grande famille. UFDG, ce n'est pas un parti, c'est une famille qui comporte toute la Guinée. Restons derrière notre président. On va lutter pacifiquement, on va lutter légalement, sans la violence, sans la haine, pour que notre grande famille puisse changer le destin de notre pays, puisse développer ce pays qu'on a tant voulu servir. Merci, c'était votre frère Djibril Hadji. Encore une fois, je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu, qui ont fait des vidéos, qui ont partagé des photos, qui ont assisté de près ou de loin. Je veux parler de ma sœur de Halima Cissé des États-Unis, ma fille Mariama des États-Unis, la Fédération Philadelphie des États-Unis, la section UFDG de Birmingham, ma sœur Pam Mariamba qui est en France et ma première dame qui n'a pas abandonné ses combattants, c'est-à-dire elle n'a jamais abandonné ses combattants. Elle était là inquiète pour nous et elle cherchait par tout moyen, elle a fait tout moyen possible pour nous aider. Merci à elle, Hadji Alimatou, d'Alain Diallo, longue vie. Merci à tous les personnes, Ibrahima Sori, Sagi Aliou, Docta, tout le monde à la résidence. Merci à tous. Inch'Allah, soyons une famille, une et indivisible, ensemble. C'est-à-dire, ensemble, on est plus fort et ensemble, on pourra. Mais divisé, on ne pourra pas. On ne pourra jamais réussir si on est divisé.